Bonjour, peuple de la Terre, bien content de te revoir. Ça fait un bout que tu m'as pas vu le visage dans ce monde virtuel. Ben, c'est parce que je t'ai dû pour un bon pèlerinage dans le monde naturel. C'est logique, comment tu veux prendre soin des autres si tu prends pas soin de toi avant? Comment veux-tu une vie plus rose ou moins morose si tes moments sont décrissants, tout sauf dégrisants? Ça fait que je suis parti avec mon pouce, sans aucune technologie, retour aux sources. Je me suis dit, faudrait que je rencontre des gens, des forêts qui me racontent le vent, des perceptions uniques qui causeront des réflexions magiques, évolution. Imaginez-vous donc, c'est ça qui est arrivé. Avec mon intuition, je me suis laissé guider. Deux camps d'action pour protéger notre mère, la Terre. Comment nous la défendrons et vivrons de manière prospère. J'ai pu marcher aux côtés de protecteurs élémentaires. La marche des peuples pour la Terre-Mère, de vrais guerriers et guerrières, feront le tour de toute la Gaspésie, 42 jours d'Amqui à Rimouski, pour sensibiliser sur les projets d'hydrocarbures, pour vivement s'opposer à ce qui menace notre eau pure. La détermination, l'amour inconditionnel de la nature, le refus des oppressions et l'appel d'un meilleur futur m'emplissent de force, d'espoir et de foi en nous, m'inspirent à l'os de voir toutes ces lois de fous disparaître, perdre leur valeur, sombrer sous le refus global. Ce mal-être, ces peurs, la cause de tout le mal. Ces mots sans fume se disperseront. Voici les mots sortis de ma plume pour l'occasion. De peuple autrefois à genoux, à peuple maintenant debout. Grâce au retrait des œillères qui nous aveuglèrent du tout, que nous sommes élémentaires et faisons tourner la roue. L'eau des lacs et des rivières coule à l'intérieur de nous. Oui, nous sommes l'eau qui se défend elle-même, littéralement. Ce qui arrive à l'eau arrive directement aux gens. Fini le temps où on se cause des problèmes en les créant. Système de croissance exponentielle, faut l'affamer absolument. Alors boycottons les entreprises jusqu'à leur disparition, surtout celles qui mondialisent et contrôlent nos rations. Faudrait qu'on relocalise, de la bouffe, pas du gazon. Il y a tellement d'alternatives, manque plus que notre adhésion. Alors séchons les pleurs qui nous irritent, vainquons les peurs qui nous limitent, pour ne plus que le bonheur soit un mérite contre un malheur appelé job. Fuck it. Car le changement collectif passe par le changement individuel. Mais on est au bord d'un cliff, fait qu'il faudrait déployer nos ailes. Ou bien on va se prendre une gifle, manger un mur ou un coup de pelle. Faudrait plutôt se pogner un lift, leur donner le goût d'une vie plus belle. C'est ça qui est beau, c'est qu'on n'a pas à attendre après du monde à qui s'attendre pas de changer ou de désapprendre. De quitter le seul chemin qu'ils connaissent pour espérer se rendre vers un monde un peu plus tendre. Non, à nous de l'entreprendre. Puis ce qui est beau, c'est que cette révolution ne sera plus cycle répété, mais plutôt évolution. Car à la place de remplacer le pouvoir par une moins pire oppression, celui-ci se propage en nous jusqu'à l'entière libération. Le partage des connaissances, de nos prises de conscience, l'unité des compétences assureront notre naissance. La fin de la tempête qui nous entoure de souffrance, le début de la quête du retour du sens. On se gère, on s'organise, on se libère des lois soumises pour aller vers aucune emprise, vers notre mère pour que plus rien ne nous méprise. On se responsabilise à protéger notre nature, on se resensibilise à se soucier du futur. Terminer les bêtises pour que notre autonomie perdure, ça prend pas mille analyses, notre seul besoin c'est une forêt pure. En ce nouveau solstice, on se doit d'être optimiste, d'avoir foi que l'on puisse enfin vaincre les injustices. Créer nos propres pistes en empêchant les destructrices, gardiens de la terre de toutes ses filles et ses fils. Nous sommes les activistes et les humanistes, les journalistes et les artistes. Qu'on attendait, ne cherchons plus ailleurs, nous seuls et seulement nous pouvons créer un monde meilleur. Car le monde, c'est nous, et notre exemple éveille les cœurs. Les graines que l'on plante se transforment en jolies fleurs. À chacun de nos pas, on est de plus en plus là. Tes talents sont là pour ça, pour le système ou pour créer ta voix. Nous rendrons la terre belle, verte et abondante à nouveau. Nous sommes les arbres, nous sommes les animaux, nous sommes l'air et nous sommes l'eau. La nature, c'est nous, et nous sommes prêts à tout. Nous nous défendrons jusqu'au bout. C'est le début de la fin de ce monde de fous. De peuple, autrefois à genoux, à peuple maintenant debout.